Winning is tough. I always said winning is somewhat maybe innate. Maybe it's just something you have. You know, you have the winning gene. My uncle was a great professor and scientist and engineer, Dr. John Trump, at MIT. Good genes, very good genes. A lot of it's about the genes, isn't it? Don't you believe? The racehorse theory. Your brother is in the NHL, right? Tell me about genes. Is he a good player? When you have 111 wins, that's in your blood, right? It's got to be in the blood. You said you're 90 years old? That's great, because you have good genes. Good genes. You have good genes. Good genes. You believe in genes? He's got good genes. You have very good genes. Just remember the president. You have great genes. These are great women, great men. Frankly, great genes. A man named Henry Ford, good bloodlines. Good bloodlines. If you believe in that stuff, you got good blood. He is a very intense individual. Like, that's the bloodlines, you know, from this family. And boy, that father was good. He was tough. I knew her father, and I tell you, she's got good genes, that I can tell you. It's in the genes, it's in the blood, right? Dans ma famille, tout le monde est très intelligent. Tout le monde n'est pas riche, mais tout le monde a du succès dans son activité. Parce qu'il y a une partie de ma famille, du côté de mes cousins, cousines, etc., forcément, avec qui on n'a pas eu la même éducation. On s'est pas trop vu, on s'est vu quelques fois quand on était petit, etc. Mais en tout cas, genre, toute la partie de leur famille qui les ont éduqués et toute la partie de ma famille qui m'ont éduqué, bah, on se côtoyait pas trop, tu vois. Et pourtant, on a tous un gros niveau de succès dans ce qu'on fait. Même ceux qui sont plus jeunes que moi, etc. Pourtant, nos parents ne sont pas riches. Alors, est-ce que c'est une question d'éducation ou est-ce que c'est une question de génétique? J'en sais rien. D'ailleurs, tu remarques que là, dans l'extrait, Trump, il parle pas seulement d'argent. On pourrait se dire déjà, ah oui, mais tu parles de Trump, il est bizarre. Déjà, alors, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais je trouve ça mais d'une logique implacable d'avoir un président nationaliste pour tous les pays. Je trouve que ça n'a aucun sens d'avoir un président qui ne cherche pas à mettre en premier lieu sa nation, mais bon, bref. On voit la moyenne de QI et justement le niveau d'intelligence des gens pour parler de politique, ça va être très compliqué. Donc je vais même pas aborder le sujet, mais même en admettant que tu sois pas d'accord avec ses idéologies politiques pour x ou y raison, le mec a de l'argent indéniablement et il en avait avant d'être président. Il en a d'ailleurs moins depuis qu'il a été président. C'est indéniablement un mec qui connaît l'argent et qui côtoie des milliardaires, etc. Donc est-ce qu'il est bien placé pour te parler d'argent? Oui. Mais pourtant tu remarques qu'il ne parle pas que d'argent puisqu'il dit ça aussi à des athlètes, il dit ça aussi à des vétérans de guerre. Donc c'est bien la preuve que c'est une question de réussite de manière générale. Maintenant, j'ai envie de pointer du doigt un phénomène. Moi, ça me met hyper mal à l'aise. Je sais même pas comment les gens, les créateurs de contenu arrive à répondre à ça. Moi, c'est une question qu'on me pose évidemment depuis longtemps, puisque je suis dans l'entrepreneuriat depuis longtemps et que je coachais des vendeurs et que j'ai coaché des centaines de personnes depuis très jeune déjà. Et souvent, les gens me posent la question de la procrastination. J'ai hyper envie de devenir riche ou de devenir fort ou de devenir ceci, cela, machin, nan, mais je procrastine, je sais pas quoi faire. Je comprends même pas comment des gens ont l'énergie de répondre à cette question. Moi, chaque fois que quelqu'un me pose cette question, j'ai la même réaction. Je laisse un blanc puisque mon cerveau m'envoie dans un vide, tu vois, là je suis face au vide. Si t'es quelqu'un qui te dit « j'ai une ambition, j'ai de l'ambition, mais j'arrive pas à m'empêcher de procrastiner », il y a un vide à l'intérieur, tu vois. Et moi j'arrive dans ce vide et je me dis « bah, reste dans ta situation de merde alors ». Pour moi, il est absolument, je suis désolé, hein, incompréhensible de procrastiner face à une situation qui réellement est un problème pour toi. Il n'y a pas une seule fois dans ma vie où j'ai passé une période à ne rien faire, en fait. Genre, ça n'existe pas pour moi. Regarde, je vais te raconter la toute première expérience entrepreneuriale que j'ai eue. Je travaillais à l'époque à l'usine, j'avais 18 ans. Je venais de me faire virer des 5 derniers établissements scolaires que j'avais fréquentés, puisque j'ai grandi dans un quartier où, bah, globalement, ma vie, c'était foutre le bordel, fumer du shit, faire des choses illégales et faire ce genre de choses et vivre dans cette ambiance-là, à m'amuser. Mais j'étais persuadé que j'allais quand même finir par faire de l'argent et que j'étais quelqu'un de très intelligent, et donc que j'allais y arriver. Je me retrouve à l'usine, au bout de quelques mois, je commence à être déprimé, parce que je reste dans cet état d'esprit, j'avais déménagé, j'habitais plus dans mon quartier, etc., mais je fumais toujours, je buvais toujours, je traînais évidemment avec des fréquentations qui puaient la merde, même si j'avais pas envie de traîner avec eux, etc. Je commençais à m'extirper un peu de cet état d'esprit, à me dire, ok, là je rentre dans une phase de dépression, limite. Je déteste ma vie. J'ai horreur de me lever le matin, je me lève, je vais travailler à 4h15 du matin dans une usine où ça pue, il y a du bruit de fou, faut mettre des bouchons d'oreilles, etc. Pour 1600 €, je me suis fait péter le permis le lendemain d'après avoir acheté ma voiture, enfin bref, tu vois, t'es dans une spirale de merde, tu vois, quand tu prends des décisions de merde dans ta vie, forcément. Mais je restais persuadé, je me disais, je suis sûr que je vais y arriver. Mais je savais que les autres aussi étaient sûrs.
Je suis conscient que parmi les gens qui regardent cette vidéo, 99% des gens sont sûrs qu'ils vont réussir. Mais mathématiquement, 99% ne vont pas réussir. Et moi, je savais déjà ça à 18 ans. Du coup, je commençais à prier pour avoir une opportunité. Je me disais, il me faut une opportunité. Si seulement quelqu'un pouvait m'expliquer comment gagner de l'argent. J'avais encore lu aucun livre, aucune conscience de même l'existence du développement personnel. J'ai déjà regardé quelques vidéos de motivation ou des trucs comme ça, mais je suivais pas activement. Je savais même pas que c'était quelque chose, que c'était un milieu, tu vois. Et il y a un mec qui m'envoie un message et j'avais vu sur son Facebook que c'était devenu un entrepreneur. Un mec que je connaissais du lycée. J'étais sorti avec sa meuf. J'étais sorti avec sa meuf pendant qu'ils étaient ensemble. Là, je te dis, hein, j'ai eu vraiment des vies variées. Il m'envoie un message en me disant, hein, machin, en prenant des nouvelles, tu vois. Et moi, je me dis, putain, le mec, il a lancé un business, je vais en profiter pour parler avec lui. J'ai vu qu'il a refait un peu son Facebook et tout à l'époque. Je discute avec lui et je lui dis, ah tiens, j'ai vu que t'étais lancé dans le business, tu fais quoi? C'était pas intéressant du tout ce qu'il faisait. C'était pas du tout un domaine qui m'intéressait. Il vendait des crèmes, en fait. C'était du marketing de réseau, il vendait des crèmes. Et pour pouvoir avoir le droit d'acheter ces crèmes et de vendre ces crèmes, fallait payer 700 euros. J'ai pas hésité, j'ai pas hésité une seconde. C'est 15 minutes avant, j'étais déjà vendu, en fait. Pour moi, c'était déjà vendu. T'es en train de faire un truc, apprends-moi, je vide mon compte. Et j'avais rien. J'avais même pas les 700 euros. J'avais 200 euros et j'avais demandé à un autre gars qui était là pendant le rendez-vous. Je lui ai dit, s'il te plaît, avance-moi. Je te rends lundi. J'ai appelé ma boîte d'intérim. Je leur ai dit, faites-moi une avance, machin. Hein. Et j'ai voulu sortir l'argent tout de suite. Et évidemment, ça a transformé ma vie, cette opportunité. Parce que ça n'a pas fait beaucoup d'argent pour moi. J'ai fait au final quelques centaines d'euros. J'ai même pas gagné plus d'argent que ce que j'avais fait avec les 700 euros. C'était ma toute première expérience entrepreneuriale. Mais ça a tout changé pour moi. Ça a changé ma notion de réalité. Je me suis mis à m'entourer de gens ambitieux, etc. J'avais acheté la licence pour avoir le droit de vendre, etc. En gros, j'étais devenu entrepreneur au sein de ce business-là, en achetant leur licence, leur droit d'exploitation, etc. Pour ceux qui connaissent pas le marketing de réseau, ça fonctionne comme ça. Et évidemment, j'ai rencontré des gens qui étaient sceptiques, etc. En disant, ah putain, 700 balles pour des crèmes, etc. Machin. Mais le truc, c'est que moi, ça n'a même pas traversé mon esprit que d'être dans une situation qui me déplaît et de ne pas faire les choses pour m'en sortir. Pas un seul instant dans ma vie. Entre-temps, ensuite, j'ai fait d'autres choses. J'ai essayé du dropshipping, j'ai travaillé, j'ai fait du porte-à-porte en Suisse. Enfin bref, à partir de là, je me suis dit, ok, je veux faire des jobs à la commission. Je veux être payé pour ce que je rapporte au marché, tu vois. J'ai pris mes couilles et je me suis dit, ok, arrête de chercher la facilité à être payé, à ne rien faire quand tu travailles dans une boîte. Sois payé pour ce que tu produis dans la vie et cherche à produire le plus possible. Et à partir de là, je me suis juste jamais arrêté. Si ça te traverse l'esprit, enfin, si c'est une possibilité pour toi que de ne pas travailler alors que t'es pas content de ta situation, tu vas juste rester dans la merde. Mais genre, accepte ça. Comprends ça, genre. Prends-le pour toi. Ok, je suis dans l'illusion. Soit je passe à l'action et je change ma vie, soit je ne passe pas à l'action et je ne changerai pas ma vie. C'est tout. Miracle Morning, lire des livres. Ah non, en fait, il faut que tu fasses des jumping jacks comme ça. Faut que tu sautes et que tu fasses de la Zumba le matin entre 6h et 7h15 et après tu vas arriver à débloquer un truc dans ta vie qui fait que la prochaine opportunité financière, tu vas la saisir. Rien à voir, gros. Rien à voir. Dans 5 ans, t'es toujours la même merde. C'est sûr en fait, c'est sûr et certain. Si tu ne saisis pas la moindre opportunité. Et moi à l'époque, justement, quand je regardais ça, c'était le tout début de l'apparition du dropshipping sur YouTube. Donc, pour te dire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, entre guillemets. Hein. Évidemment, ce n'est pas non plus les années 1920, tu vois. Mais je veux dire, il n'y avait pas, ou en tout cas, tout le monde ne connaissait pas le trading, le copywriting, le SMMA, IPGA, tous ces trucs-là. C'est des choses qui n'étaient pas communes encore à l'époque, du moins en France. Et je ne parlais pas encore anglais à l'époque. J'ai appris l'anglais tout seul. Dans mes business, j'ai appris l'anglais après. Donc, je veux dire, la première opportunité, j'ai saisi. J'ai fait ça quelques mois, machin, un an. Ensuite, j'ai eu une autre opportunité en Suisse. Je me suis dit, ok, ça va plus me correspondre, je vais aller apprendre à vendre en Suisse. Et je me suis mis à apprendre à vendre en Suisse. Quelques mois après, j'ai entendu parler du dropshipping. Je me suis dit, ok, je vais apprendre le dropshipping. Genre, il n'y a pas une seule putain d'opportunité où je me suis dit, ah, ça a l'air d'être une arnaque, alors ne le fais pas. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est très français que de croire que se prémunir d'une arnaque, ça va te rapporter plus de bénéfices que de prendre le risque de la saisir. Parce qu'en fait, dire non, tu ne perds jamais en fait quand tu dis non. C'est un truc de salope en fait de dire non. Je le dis normal. C'est un truc de salope de ne pas porter ses couilles quand tu es dans une situation qui te déplaît. Parce que les 700 euros, j'allais arriver à les refaire. Je veux dire, peu importe ta situation, alors évidemment, si tu es à 15 euros près par mois et que tu as 3 enfants et ta femme et que personne ne travaille et que tu es à 15 euros près, tu ne peux pas sortir 700 euros, admettons, et encore, tu pourrais trouver cet argent. Mais c'est toujours une question de à quel point ton cœur, il est sur la ligne, tu vois. À quel point est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu t'identifies réellement à quelqu'un qui devrait avoir plus que ce qu'il a. Et si c'est le cas, tu vas juste prendre les décisions logiques. Et pour moi, je suis désolé, il n'y a pas de tout le monde peut réussir, non.
toutes les personnes qui ont un problème de procrastination, vous êtes des perdants et vous resterez des perdants toute votre vie. Et ça, je pense que c'est à l'intérieur de toi. Si, alors, il y a des périodes dans ta vie où tu peux procrastiner, si, je sais pas, tu t'es fait quitter et ça t'a fait mal au cœur ou je sais pas quoi, bref, ou ta mère, elle vient de mourir, ou t'as un problème, un truc qui fait que genre, c'est difficile pour toi d'agir dans l'instant présent, t'as besoin de quelques jours pour souffler, évidemment, ça arrive. Mais si tu n'as jamais saisi une seule opportunité de ta vie et tu procrastines à saisir la première opportunité de ta vie, non, c'est impossible. Et je parle de saisir, hein, encore une fois. C'est pas, je te dis pas genre, acheter une formation et ah, je suis bien là, c'est bon. Je suis bien passé à l'action, j'ai essayé un mois et là, ça n'a pas marché. Le business model ne marche pas. Non. J'ai payé les 700 euros et après ça, nuit et jour pendant des mois, personne ne pouvait me reconnaître. Et j'étais très content que personne ne puisse me reconnaître puisque j'avais déjà bien compris que mes résultats étaient le résultat de ce qui j'étais et de ce que je faisais jusqu'à maintenant. Donc, je cherchais à changer à travers le fait de payer et de rentrer dans ce programme-là et de pouvoir acheter les droits de licence, etc., devenir mon propre patron pour la première fois de ma vie. Je cherchais à faire quelque chose de différent qui allait me faire devenir une personne différente. Et donc, à partir de là, matin et soir, tous les jours, j'écoutais du développement personnel, tous les jours pendant des mois et des mois. Genre, moins d'un mois après ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je me suis mis à faire le Miracle Morning alors que je travaillais à l'usine en 2-8, ce qui veut dire que je me levais à 1h du matin alors que je commençais à travailler à 4h. Je me levais à 1h du matin pour faire une routine matinale. Donc, quand je parle de morning routine, etc., c'est des choses que j'ai fait encore bien plus que la plupart des youtubeurs qui parlent de morning routine. Et je peux te dire que c'est de la connerie. D'ailleurs, tu le vois parce que tous les matins, celle-là, c'est ma préf. Tous les matins, je vais à Palm Jumeirah avec mon coach de boxe faire ma boxe matinale. Ah frérot, arrête, pas à nous. On voit que t'as commencé mardi, tu vois. On le voit que t'as commencé mardi. Donc tes conneries de morning routine, je fais de la boxe, je sais pas quoi, t'as jamais fait de boxe, frérot. T'as commencé avant-hier, c'est ta deuxième séance. Me dis pas ma morning routine qui m'a amené au succès, c'est de la connerie. Parole de quelqu'un qui faisait sa morning routine, qui se levait à 1h du matin pour le faire. Alors que je travaillais à 4h. Donc, viens me parler de discipline à moi, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est incompréhensible. Si tu n'as jamais saisi d'opportunité, tu resteras un perdant. Et si quand tu achètes une formation ou tu fais quelque chose, tu ne le fais pas à fond, tu seras toujours un perdant après. Et c'est en ça qu'on peut dire que c'est dans les gènes, en quelque sorte. Est-ce que c'est réellement dans les gènes ou est-ce que c'est une manière de parler qui signifie c'est à l'intérieur de toi? Pour moi, c'est à l'intérieur de toi. Tu dois chercher la compétition. Moi, quand j'étais petit, j'étais... mais pas du tout compétitif, pas sportif, je faisais aucun effort dans rien du tout, juste j'étais intelligent, alors j'arrivais à passer les cours sans aucun effort, etc. Comportement de merde, dis-toi que j'ai sauté une classe quand j'étais petit, on m'a fait sauter une classe au milieu de l'année, pas juste parce que j'étais plus intelligent et que je finissais avant, c'est surtout que comme j'étais très intelligent et que je finissais tout avant sans réviser, j'écoutais rien en cours, parce que du coup je savais faire en impro, je finissais les exercices avant et je passais genre les 45 minutes du reste du cours à casser les couilles à tout le monde. C'est pour ça qu'il m'avait fait passer une classe. Parce que je parlais, parce que je faisais des conneries en cours pendant les contrôles en fait. Et donc pour te dire, genre la mentalité du gars, tu vois, j'ai jamais été ce que tu peux considérer comme un mec discipliné ou un mec de la liste Forbes, tu vois, un sénateur en costume qui mange comme ça avec des couverts en argent. J'ai toujours été hyper indiscipliné, freestyle, à casser les couilles, mauvais élève, etc., etc. J'ai appris à devenir un homme discipliné, à amener même de l'élégance dans mes interactions avec les gens. Moi, j'ai jamais été inélégant, mais bref. En tout cas, en cours, etc. Évidemment, j'étais indiscipliné, mais même dans ma vie de manière générale, je veux dire, j'ai tout appris. Donc évidemment que ça, ce ne sont pas des choses qui ont besoin d'être innées, puisque j'en suis la preuve pour moi-même, en tout cas, j'en suis la preuve. Tout ça, ça n'est pas nécessaire. Par contre, le désir ardent, dans la direction de l'argent, puisque moi c'était mon truc, entre guillemets, ma volonté, c'était devenir riche, quitter l'usine, arrêter d'être un mec qui fume du shit et qui espère chaque jour que le plus vite possible je vais pouvoir aller me coucher pour dormir, parce que le seul moment de ma vie qui est agréable, c'est quand je suis inconscient, tu vois. Donc, le plus vite possible, je voulais quitter ça et je voulais faire de l'argent pour faire ça, et surtout, je voulais devenir un grand homme. Quand j'ai eu 0,1 opportunité, je l'ai saisi. Il n'y a pas de « alors ça, oui, peut-être, mais non. Ah ça, oui, peut-être, mais je le sens pas bien. Ah ça, peut-être, mais c'est une arnaque. » Jamais de ma vie, gros. Moi, je saisis et encore aujourd'hui, je vis comme ça. Là, je suis actuellement en Thaïlande parce que je vais rejoindre un réseau d'entrepreneurs puisque j'ai eu contact avec un mec qui a des mines d'or aux Philippines. Et donc, il y a un réseau d'entrepreneurs qui, entre les Philippines et la Thaïlande, le droit d'entrée est à 10 000 dollars. Le fait que le droit d'entrée soit à 10 000 dollars, tu m'as déjà quasiment convaincu puisque je sais qu'à l'intérieur, il ne va y avoir que des gens comme moi qui ont pris leur couille dans leur vie à répétition puisque 10 000 dollars, c'est pas la première fois que tu investis, tu vois. Très probablement, tu as déjà avant commencé par investir dans des formations à 100, puis 200, puis 500, puis 1000, puis 2000, etc., etc. Et donc, t'as compris que c'était grâce à ça et donc maintenant, tu mets 10 000. Et donc, je sais que de l'autre côté, il ne va y avoir que des gens qui ont la même mentalité que moi et avec qui...
Tu parles à un mec qui critique les gens qui ont des formations ou qui prennent des formations, encore pire, des gens qui critiquent des gens qui prennent des formations. Alors toi, t'as bien compris la vie, toi. T'as bien compris. Enfin, au point où c'est même pas la peine de discuter avec ce genre de gens. Donc là, je sais qu'il n'y en aura pas de l'autre côté et que évidemment, ça va être que bah aussi le genre de gens qui peut mettre 10 000 euros et puis c'est un nouveau réseau asiatique qui s'ouvre à moi. Donc voilà pourquoi je vais le faire. Mais je veux dire, pour te dire que encore aujourd'hui, à chaque jour, je pratique. Je fais ce que je te dis. Et d'ailleurs, depuis le début sur cette chaîne, c'est exactement ce que tu vois. Je fais ce que je te dis. Tu peux aller voir mes vidéos d'il y a 6 mois sur le glow-up. Regarde ma tête, j'ai mis les actions en place. Regarde, prends une vidéo au hasard, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai dit que j'allais faire en place des consultations et que plus tard, j'allais arrêter parce que j'aurais plus le temps. Et j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai dit que j'allais sortir un e-book sur la séduction. Et c'est de la frappe, 100% des gens me font des retours en me disant qu'il est incroyable. J'ai dit que je sortirais un programme de formation sur le business unique qui allait tout changer. Et les retours, ils sont là. Et les gens me disent qu'ils ont créé des business autour de leur passion. Ils n'auraient jamais eu l'idée si ce n'était pas grâce à moi. Je le sais puisque j'ai dit que je le ferais et que je l'ai fait. Donc en fait, même là, voilà, à chaque fois, je fais ce que je te dis. Et donc, je te dis que ça n'est pas nécessaire comme moi, encore une fois, pour me répéter. J'ai mis en place des ajustements. Je suis devenu dans l'attitude. J'ai incarné qui je voulais devenir et je continue à travailler là-dessus puisque j'aspire évidemment à devenir meilleur. Mais pour ce qui est du passage à l'action, de la volonté d'avoir plus, c'est selon moi dans ton ADN. Maintenant, moi, je cherche à travers cette chaîne à récompenser les hommes qui prennent ce genre de décision puisque moi-même, j'ai vu sur le chemin ce que j'aurais aimé qui existe et qui n'existait pas. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai vu toute la montée, entre guillemets, c'est-à-dire l'apparition du dropshipping. J'ai vu les toutes premières vidéos de tous les gourous du dropshipping, etc. Je les ai regardées, ces vidéos-là. À l'époque, elles sortaient devant mes yeux. Il y a 2 heures, boum, la vidéo est sortie, je la regardais, tu vois. Donc, j'ai vu toute l'apparition de ces business-là en France comme aux États-Unis puisque j'ai habité aussi en Floride. Et j'ai vu des choses qui manquaient selon moi. Et selon moi, l'une des choses qui manque, évidemment, c'est la passion. Je comprends et je pense également que tu devrais faire un business pour l'argent, mais tu dois faire quelque chose pour déclencher cette flamme que tu as à l'intérieur de toi. Qui est ce que bah moi j'avais instinctivement. Pour moi, selon moi, la chose la plus importante dont je n'ai en tout cas, j'ai pas vu tant de monde que ça en parler, c'est la flamme. C'est de brûler à l'intérieur, tu es en train de fondre tellement tu as faim de ce que tu veux dans la vie. Et donc j'ai créé le premier programme de formation au monde où j'utilise mon cerveau à moi, mes idées, pour fabriquer ton business, qui s'appelle la Business Army. Et il y a 2 nouvelles à ce propos-là. La première chose, c'est que déjà, pour tous les membres de la Business Army et toutes les nouvelles personnes qui vont intégrer ce programme ce mois-ci, je vais vous donner 100% de la monétisation YouTube que j'ai générée depuis que j'ai créé cette chaîne. Donc, toute la monétisation YouTube, je vais prendre une personne dans la Business Army et je vais lui offrir ma monétisation YouTube. Deuxième nouvelle, le programme, il est actuellement à -63%. C'est la plus grosse réduction depuis la création de ce programme-là. Parce que j'ai envie que les deux soient combinés. Évidemment, je ne vais pas dire, alors pour les membres de la Business Army, je vous offre un truc, mais personne ne peut le prendre. Non. 2 en 1. Si jamais tu veux, tu as un désir ardent, tu veux passer au niveau supérieur, mais tu veux créer un truc passionnant, pas juste pour l'argent, mais te servir des choses, tu vois. Utiliser les éléments que l'univers a mis à disposition. Passion multipliée par désir ardent multiplié par objectif précis égale réussite fulgurante. Les gens qui te font des business, des formations, ils te disent 10 000 euros par mois grâce à mon truc. Et 10 000 euros par mois, c'est de la pisse de chat. La raison pour laquelle tu ne fais que 10 000 euros par mois, c'est parce que tu fais un business que tu n'aimes pas. Quand tu fais un business de passion, faire 10 000 euros par mois, ça n'est pas compliqué. La preuve étant, pour tous les trous du cul qui n'ont aucune idée de comment fonctionne le monde du business, avec 10 000 euros par mois, tu ne peux pas faire vivre une boulangerie. Voilà. Avec 10 000 euros par mois, tu ne peux pas faire vivre une putain de boulangerie. Tu payes 2 employés, déjà, il reste quasiment plus rien. Tu payes les taxes et 2 employés, t'as plus rien. Tu peux même pas payer l'électricité, le loyer et la nourriture, la matière première. Tu peux rien payer de tout ça. Donc, t'as besoin de plus que ça. Donc, 10 000 euros, c'est de la pisse. Selon moi, tu fais beaucoup plus d'argent quand tu le fais par passion puisque tu es imbattable. Bref. Tout ça pour dire, j'ai créé ce programme de formation qui t'aide à développer une passion, à comprendre et à trouver tes passions si tu en as une, et surtout à connaître toutes les clés du business que moi j'ai appliquées dans mes entreprises, que ce soit dans l'import-export, dans le mannequinat, dans la vente, sur les réseaux sociaux. Bref, toutes les choses que j'ai fait qui m'ont permis de gagner de l'argent, et j'explique exactement les business models et comment je les ai mis en place à l'intérieur de la Business Army, que tu peux retrouver sur mon site biliz.io à -63% jusqu'à présent, et je le rappelle, je donnerai ma monétisation YouTube entière depuis le début de la création de cette chaîne pour récompenser les membres de la Business Army et je le ferai probablement tous les mois. Mais cette fois-ci, je le fais avec des mois d'arriéré. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant pour toi de le faire maintenant, en plus du fait que la formation en elle-même va déjà transformer ta vie. N'oublie pas que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Ça aussi, c'est un adage que j'ai mis en place dans ma vie de manière générale. J'avais peur d'être comme les autres. J'avais peur de ne pas avoir les couilles. Je me suis déjà dit, je me rappelle exactement du moment où j'étais dans mon lit. Il faisait nuit, c'était noir, mais je regardais le plafond dans le noir comme ça. Et j'avais peur, je me disais,
Et si cette idée que je cherche, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il me faut une idée et que c'est la bonne idée qui va me rendre riche. Et si cette idée, elle était déjà passée devant moi et que juste je ne l'avais pas saisie et que je n'avais pas eu les couilles de la saisir. Comme je t'ai dit, on est tous des génies dans ma famille. Pas besoin de développement personnel, j'avais déjà ce niveau-là de conscience. Et je vis avec cette, entre guillemets, peur qui n'est pas une peur oppressante, tu vois, mais j'avais cette peur. Et c'est ce moteur-là qui m'a fait saisir la moindre opportunité. Une opportunité, je l'ai prise. Je ne me rappelle pas une seule fois, c'est même pas je ne me rappelle pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule fois dans ma vie où j'ai entendu parler d'une opportunité et où si je ne l'ai pas saisie, ce n'est pas parce que j'avais déjà au moins un business en cours. Jamais je me suis retrouvé au chômage ou sans travail ou sans business et pendant plus d'une semaine, je n'avais pas de business. Jamais. J'ai toujours fait des choses rapidement comme ça et encore maintenant à l'heure actuelle, bah, j'arrive à combiner des entreprises et à les multiplier pour en faire les unes par-dessus les autres. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, encore il y a 2 jours, j'ai eu une autre idée de business, je l'ai soumise à quelqu'un et je l'ai fait travailler pour moi et j'ai lancé ce business à travers lui directement sans utiliser mon temps personnel alors que je gère déjà des business à l'international. Parce que c'est juste comme ça, les gagnants gagnent et les perdants perdent. C'est juste à toi de prendre tes décisions au bout d'un moment. Je trouve que c'est un peu chiant de caresser toujours les gens dans le sens du poil parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des trous du cul de communistes qui mettent en commentaire « Non, c'est pas vrai. Je pense que le gouvernement devrait redistribuer les richesses à nombre égal, à part égal et que tous les êtres humains se valent et doivent avoir les mêmes niveaux de réussite. » Et ben ça, c'est parce que tu sais que t'as pas les couilles, que t'es pas compétitif et que dans une course, t'arrives dernier. Puisque le premier n'a aucune raison de vouloir diviser ses biens. D'ailleurs, si tu le regardes, et comme la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire, petite projection géopolitique, la France et l'Allemagne portent toute l'Europe sur leur dos, ce qui est en train de détruire la France et l'Allemagne. Puisque quand t'es le numéro 1 d'un groupe de gens, ce groupe de gens vit grâce à toi, et donc par définition, il te prélève quelque chose qui aurait pu être à toi. Voilà pourquoi être un homme compétitif, ça te permet d'avoir tous les résultats. Et voilà pourquoi les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, et pas que financièrement, c'est aussi intellectuellement, c'est aussi physiquement, c'est aussi spirituellement, c'est aussi en termes de relations, c'est dans absolument tout. D'ailleurs, un truc qui revient quand je suis avec des amis à moi dans un resto ou un truc comme ça, c'est qu'on se dit les gens ne se rendent pas compte à quel point on a tout. Genre tout est du même côté. Les femmes, l'abondance, le charisme, taper des barres, la liberté, danser, la joie, tous ces trucs-là, c'est tout du même côté. C'est du côté des gens qui prennent des décisions avec leurs couilles, en fait. C'est fou. Et de croire, et du coup, on se fait évidemment des blagues comme ça, la running joke, l'une des running jokes qu'on a, c'est « Ouais, mais il est pas heureux. » À chaque fois qu'on voit un mec qui brasse des centaines de millions ou un truc comme ça, on se dit « Ouais, mais il est pas heureux. » Et on rigole là-dessus parce que c'est quoi cette excuse de perdant, sérieux? Et vraiment que les gros perdants pour regarder un mec qui a de l'argent et se dire « Ouais, mais il est pas heureux. » Non, 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 mon gars. Il est super heureux. Dans 99% des cas, il est super heureux et il aurait pas été plus heureux avec moins d'argent, ça c'est sûr. Donc, décide de t'enlever cette illusion du confort et quand tu vois une opportunité, saisis-la. Saisis-la. Maintenant, je te mets au défi. Si t'as pas de business, si t'as rien, prends tes couilles et prends une décision maintenant. Évidemment, ce que je te recommande de faire le plus, c'est d'intégrer la Business Army puisque la raison pour laquelle j'ai mis ce programme sur pied, c'est pour concentrer tous les éléments qui n'ont jamais été diffusés sur le YouTube francophone, puisque le but de cette chaîne, c'est de parler d'une manière et de choses qui n'ont jamais été abordées sur le YouTube francophone. Donc, le concentré de ce qui te manque est dans la Business Army. Mais même si tu ne prenais pas la Business Army, ce pourquoi je te mets au défi, c'est la prochaine opportunité que tu entends. Dropshipping, SMMA, copywriting, trading, n'importe quoi. Alors, si c'est faire du trading, là, c'est une idée à la con pour le coup de saisir ça avec ton mindset de trou du cul. Mais pour le reste, qui va être plus payé à la commission et qui va dépendre de ton talent et de tes couilles et de ton passage à l'action plutôt, saisis. Genre la prochaine opportunité que tu vois dans ta vie, saisis-la et donne-toi à fond et vois ce qui se passe. Mais fais-le vraiment à fond, comme si tu allais mourir si ça marchait pas, tu vois. Et ça va transformer ta vision de la réalité. Passe une bonne journée et prends soin de toi.